L'éthique, que faisons-nous avec? Mais avant toute chose, posons la question de savoir ce qu'était notre monde. Il y a de cela quelques décennies, il me fallait des mois, voire des années, pour savoir ce qu'est devenu mon cousin Cordio, parti en France pour des temps indéfinis. Il me paraît difficile, même impossible, de retrouver des frères et amis qui ont été coupés de leur milieu d'appartenance dès la prime enfance. Je ne pourrais plus ainsi partager mes idées, mes moments forts et mes émotions. J'étais en marge de tout lien social avec ceux qui me sont chers. Je ne pouvais non plus partager mes idées, mes moments forts et mes émotions. Je ne pouvais non plus communiquer, ni physiquement, avec les amis, ni au téléphone, ni par autre moyen que ce soit. Mon cousin ne pouvait être au parfum de l'actualité, en l'occurrence du sport, de la musique ou encore du cinéma. Informer ou s'informer était quasiment impossible, faute de moyens de communication et d'information. Mais aujourd'hui, sous le poids des techniques, de l'information et de la communication, je sais ce qu'est devenu mon cousin Cordio, parti en France, exact, pour des temps indéfinis. Tiens, par exemple, le cas de ma soeur Fatou. J'ai participé à son anniversaire qui a eu lieu en Allemagne le mois passé. Cela a été possible grâce aux réseaux sociaux. Et aussi, je dois t'avouer qu'à travers ces réseaux sociaux, j'ai retrouvé cet ami d'enfance avec qui j'avais fréquenté. Ces personnages qui ont partagé avec moi les vicissitudes de la vie quotidienne. Je pourrais ainsi conserver librement et échanger avec eux par le biais d'éthique. Et les moteurs de recherche, j'ai à ma disposition une véritable bibliothèque sans bouger de ma chaise. Dès lors, les nouvelles technologies de l'information et de la communication me permettent de transcender l'ancien monde pour un monde nouveau et contemporain, plus approfondi. Un monde dans lequel on assiste à une variété de téléphonie mobile, nous permettant la communication et l'informatisation des secteurs de la vie sociale. L'Internet à haut de vie. Vous allez sans doute dire que je vis actuellement dans un impeccable Eldorado. Je me demande toujours ce que je ferai sans. Ben, j'allais oublier. Dans mon monde éthique, tout n'est pas aussi rose que tu le penses. Comme toute civilisation, il y a toujours des gens qui cherchent à nuire mon monde de merveille. Je peux te parler, par exemple, des arnaqueurs qui vont te ruiner par tous les moyens. Et des combines, ils en ont pour te ruiner. Il y a aussi des tas de virus qui pullulent et qui cherchent à infester mon coin de merveille. Je ne finirai pas sans parler de ma vie qui ne cesse de se rétrécir de jour en jour dans ce monde où tout le monde s'observe. Même si je sais ce que je ferai avec, je ne serai jamais ce que je ferai sans.